J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une recette light Weight Watcher. Allez, on y va, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un risotto de champignons. Donc quand j'ai vu la recette, elle me disait bien, ça avait l'air très bon. C'est une recette qui fait 11 SP Weight Watcher dans la totalité. Donc après, avec ça, bah, vous pouvez faire en complément des aiguillettes de poulet, du jambon, enfin, vous accompagner avec ce que vous voulez. Voilà. Oui, je vous ai dit que je l'ai pris dans l'application Weight Watcher. Oui. Donc l'application Weight Watcher, franchement, elle est géniale. Vous avez plein de recettes. Franchement, elle est topissime. Je vous invite vraiment, si vous hésitez à vous inscrire sur le site Weight Watcher parce que vous voulez perdre du poids, franchement, foncez quoi, foncez. Je vous mettrai en barre d'infos mon lien si vous souhaitez vous abonner au site Weight Watcher. On va commencer, vous avez vu qui j'ai sorti aujourd'hui pour la vidéo, le monsieur cuisine, d'ailleurs qui me dit qu'il va se mettre en veille, oui je sais, je suis trop longue. Donc on va faire le risotto avec le monsieur cuisine connect, non monsieur cuisine smart, c'est même pas connect, oh là là, je suis encore perchée à l'époque du connect moi. Donc on y va. Alors pour la recette, oui il faut un peu bancal là. Je vais juste vérifier que j'ai bien mis ma pièce. Là, vous me la demandez souvent, cette petite pièce-là. C'est le petit U, comme ça, en fait, qui permet le blocage de la lame. Donc, voilà. Donc, si vous la souhaitez, vous venez me voir sur Instagram en privé. Voilà. Donc, moi, je vérifie toujours à chaque fois si je l'ai, parce que ça évite le carnage. Alors, pour cette recette, donc, il nous disait de mettre l'oignon, un oignon, en fait, et de mixer. Mais vous savez, moi, je ne suis pas courageuse, hein, donc j'ai pris un oignon déjà tout coupé. Hein. On changera pas. Donc, je mets un oignon à l'intérieur. Donc là, il disait de mixer, enfin, il faut mixer l'oignon, mais moi, je l'ai déjà pré-coupé. Ensuite, on va mettre une cuillère à café d'huile d'olive, donc vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café, voilà, et ensuite, donc, on referme, vous ne mettez pas le bouchon, et on va cuisson personnalisé, donc on va mettre à 100 degrés, voilà, pendant, on va mettre 5 minutes, voilà, vitesse 1, parce que faut juste mélanger, on y va. Non mais je mets sur pause, sinon je mets sur pause, hein, sinon vous n'allez pas m'entendre. Je vous retrouve au bout des 5 minutes, à tout de suite. Le temps est écoulé, alors ce qu'on va faire, c'est chaud. On va remuer, c'est parfait, nickel. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter le riz. Donc en riz, c'est du riz spécial risotto, hein, bien sûr. Moi, j'ai mis 200 g de riz. Donc vous mettez votre riz et ensuite, vous refermez, bien sûr. J'ai mis ma cuillère, sinon ça va être... pour le faire, et donc on va remettre à 100 degrés cinq minutes vitesse 1 en sens inverse, donc sens inverse bah, pour ceux qui ont le monsieur cuisine c'est la rotation à gauche. Vitesse 1, rotation à gauche, démarrer, on va mettre 5 minutes si je ne mets pas le temps, ça ne va pas le faire,
Voilà, je vous retrouve au bout de 5 minutes. Hein. À tout de suite. Le temps est écoulé. Alors, maintenant, vous ouvrez. Alors, vous remettez bien au centre le riz. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est 150 millilitres de vin blanc. Donc, moi, je prends du vin blanc, c'est la villageoise. Donc, c'est du vin blanc à cuisiner. Hein. C'est pas du vin blanc que tu bois comme ça. Bon, ça fait un peu du vin blanc de Piton, ça. Donc, 150 millilitres. Et vu que le monsieur cuisine pèse en grammes, vous savez que j'aime pas me compliquer. Du coup, je sors ma superbe balance Moulinex qui pèse les centilitres, millilitres, décilitres, les grammes, tout. Voilà, super pratique. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous la voulez. En plus, c'est top parce que même quand je faisais mes colorations de cheveux, je l'utilisais, quoi. Franchement, maintenant, vous voyez, même j'ai le monsieur, enfin, le compagnon de Moulinex, l'ancien, le Touch, quoi. Et on m'a posé plusieurs fois la question de savoir si j'allais prendre le nouveau là avec la balance. Mais en fait, je suis tellement habituée avec le compagnon d'avoir la balance à côté que, en fait, non, je ne le prendrai pas. Voilà, je réponds à votre question aussi. Alors, on y va. Donc, 150 millilitres. Donc, je vais la mettre en marche. Donc, je vais mettre les unités. Franchement, mais c'est génial, moi, je trouve, d'avoir les unités. Parce que sur le moment, tu sais, quand tu fais une recette que, ah, mince, c'est pas en grammes, c'est en centilitres ou en millilitres. Pff, le truc convertir, moi, je suis une vraie quiche. Hein. Alors, hop, on y va. Moi, j'aime bien cette petite bouteille comme ça de vin pour faire la cuisine. Je trouve que c'est pas mal. Du coup, j'en ai toujours en stock. Moi. 150 ml, ouais, ça fait, vous voyez les petites bouteilles de 25 centilitres, ça fait un tout petit peu plus de la moitié, quoi. Donc, on met dedans. Et tout ça, ça fait 11 aspects Wet Wet Cure, hein. Quand je vous dis qu'on peut se faire plaisir, manger des très bonnes choses, hein. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre le bouillon. Donc, moi, j'ai pris un bouillon de légumes. Donc, je vous mettais un cube de bouillon dégraissé. Hein. Hop. Après, si vous n'avez pas du dégraissé, vous mettez du normal. Hein. C'est pour ça qu'il va faire que tu vas prendre un kilo. Hein. Moi, je prends du bouillon de légumes ou de trucs dégraissés. Quoi. Voilà. Donc, vous mettez ça à l'intérieur. Ensuite, vous mettez vos champignons. Donc, les champignons, j'ai coupé 250 g de champignons de Paris frais. Donc, je les ai coupés. Voilà. Donc, vous mettez ça à l'intérieur. Donc, vos champignons frais. Après, si vous n'avez pas des frais, vous mettez en boîte. Hein. Voilà. Ensuite, il faut mettre une cuillère à café de safran. Alors, oups, j'ai ouvert cet outil. Donc, une cuillère à café. Alors, en fait, quand vous achetez le safran, vous savez, c'est en petite fiole comme ça. C'est mon précieux. Donc, vous mettez la petite fiole à l'intérieur. On va mettre 250 g d'eau. Donc, balance. Le 250 g, je vous disais. Non, 700 g. Et heureusement que je fais qu'une recette aujourd'hui. Vous vous dites, voyez pas, si la fille, elle devait revenir et qu'elle devait refaire du triple, du double. Oh là là, je m'en sortirai plus là. 700 g d'eau. On y va. Voilà. Je vais remuer. Nickel. On va mettre du sel. Vous savez que je chale pas beaucoup, mais histoire de faire genre, je suis une professionnelle, on va mettre du sel. Hein. Hop. Voilà. On va mettre le bouchon. Donc, on va mettre. Donc, là, j'ai mis 100 degrés, 20 minutes, vitesse 1, rotation à gauche, donc sens inverse pour le thermomix. On y va.
Et du coup, bah, vu que je vais le lancer, vous n'allez plus m'entendre. Je vous retrouve au bout des 20 minutes. Bah, après, non, après, il reste encore une étape. J'allais vous dire pour la dégustation. Ah, j'ai hâte, hein, vous avez vu. Donc, je vous retrouve pour la suite de la recette. À tout de suite. Le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut mettre 30 g de mascarpone. Donc, on y va. Je vais l'ouvrir. Oh, ça sent bon. Donc, on y va, 30 grammes. Voilà, tard. C'est parti. Trente pile poil. Franchement, si j'aurais voulu faire mieux, j'aurais pas réussi. Pile poil. Ensuite, il faut refermer, faire cuire 2 minutes, 100 degrés vitesse 1, sans le bouchon. Alors, 100 degrés, vitesse 1, temps que j'ai dit 2 minutes. Vitesse 1, donc sens inverse. Sans le bouchon. Couper. Donc je lance et je vous retrouve donc là après le résultat final, la dégustation, celui que je préfère. À tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celui que je préfère. Vous avez vu le cookéo, il tourne à côté. Il est en train de faire une petite recette, mais vous l'aurez après. Donc, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Franchement. Excellent. Il est topissime. Je reprends une petite bouchée, hein. Franchement, il est top. Il a du goût avec le bouillon, tout ça. Moi, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de goût. Il est bien cuit, juste ce qu'il faut. Avec le mascarpone, ça donne un petit côté onctueux. Franchement, il est topissime. C'est une recette encore Weight Watcher que j'adore, quoi. Toutes les recettes que je fais du site, franchement, je suis jamais déçue. Et en plus, avec les robots multifonctions, je trouve que c'est une aide vraiment en plus, quoi. Donc, pourquoi se priver, hein? Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Facebook. Donc, Instagram où je vous partage tous les jours des petites recettes que je ne vous mets pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social. Et puis, dites-vous une chose, si moi, j'ai réussi à faire des bons plats et à perdre du poids, vous y arriverez aussi. C'est vraiment une question de volonté et d'organisation. Enfin, vous y arriverez aussi, j'en suis sûre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.